Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons expliquer 5 techniques de calcul surprenantes. Donc des techniques d'addition, de soustraction, de multiplication et de division euclidienne. Alors, première technique surprenante, une addition et soustraction sans retenue. Alors, par exemple, on va faire 123 plus 547 plus 318. Alors, ici, on va faire 3 plus 7, 10, plus 8, 18. On va noter donc ici 18, première case, deuxième case et la troisième case. 2 plus 4, 6, plus 1, 7. 1 plus 5, 6, plus 3, 9. Donc ici, on va mettre 900, donc on va ajouter 2 zéros, 900. Donc en fait, ici, on multiplie par 100. Ici, on va multiplier par 10. Et ici, on va faire, donc, on va multiplier par 1. Donc ici, 900 plus 70 plus 18, et bien ça fait 900. 88. Alors, autre exemple, on va faire 511 plus 1232 plus 1511 plus 2341. Ici, 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 1, 5. 4 plus 1, 5, plus 3, 8, plus 1, 9. 3 plus 5, 8, plus 2, 10, plus 5, 15. Ici on met 15, si on sépare, bien entendu. 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Donc ici, on va voir, donc on va commencer par la droite. Donc 5, plus... On multiplie par 10 le 9, donc 90, plus 15 fois 100, 1500, plus 4000. Donc 4000 plus 1500, 5500, plus 90, 5500, 90, plus 5. Donc ici on aura 5595. Ici on peut vérifier 5595. Alors là on a fait les additions, maintenant... Et soustraction. Alors soustraction, donc ici on va faire 231 moins 85. Alors il faut remarquer que, bien entendu, quand on fait par exemple 5 moins 2, ça fait bien 3. Par contre, 2 moins 5, ça fait moins 3. Là on a un symbole moins. Donc ici on va faire la même chose. Donc 1 moins 5, donc ça va faire 1 moins 5, ça fait moins 4. 3 moins 8, moins 5, et ensuite 2 moins 0, 2. Donc ici, on va faire la même chose. Donc moins 4, moins, on multiplie par 5, moins 50, et là 200. Donc 200 moins 50, 150. 150 moins 4, 150 moins 4, 146. Donc 231 moins 85 égale à 146. Donc ici, par exemple, 321 moins 54 moins, alors là on peut faire empiler les soustractions, 31. Donc ici, moins 1 moins 4 moins 3 moins 1 moins 4. 2 moins 5 moins 3 moins 3 moins 6. Là, donc il n'y a pas, il y aura 3. Donc ici ça va faire donc moins 4. Moins 60, on multiplie par 10, moins 6, et ici 300. Donc 300, moins 60, 240, moins 4, 236. On peut vérifier, 236. Donc voilà une façon de faire des additions et des soustractions sans faire de retenue. Alors deuxième technique, multiplication per virosia.
multiplication par jalousie, c'est des multiplications qui ont été développées en Italie. Et donc, par exemple, là, on va faire 132 fois 54. 132 fois 54. Donc il faut faire un petit tableau que voici. Le tableau se présente comme ceci. Donc on va mettre 1, 3 et 2, là, 5 et 4. Donc ici on fait donc les multiplications. Donc on fait 5 fois 2, 10. Donc 5 fois 2, 10. Donc on met le 0 ici et le 1 dans la case en haut à gauche. Ensuite 5 fois 3, 15. 5 et 1. 5 fois 1, 5. 5. Donc là on peut mettre un 0 si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire. 4 fois 2, 8. Donc 8, 0. 4 fois 3, 12. 2, 1. 4 fois 1, 4. 4. Bien, ceci étant fait, bien, on va pouvoir additionner chaque chiffre qui se trouve dans chaque case de chaque diagonale. Donc, les diagonales, c'est les traits délimités par les traits en biais. Donc, ici, par exemple, à 8, dans cette case 8. Ensuite, 2 plus 0 plus 0, 2. 4 plus 1, 5 plus 5, 10 plus 1, 11. On met une retenue, donc on peut mettre une retenue ici. 1 plus 2 plus 1 plus 1, 2 plus 5, 7. Et ensuite 0. Donc en fait, le résultat se lit ici. 7128. 7128. 7128. Alors, peut-être une autre un peu plus compliquée. On va faire 598 fois 92. Donc on fait le tableau. Alors, 598, on le marque au-dessus, 598 fois 92. Ici, on va voir que juste les deux cases comme ceci, suffisent. Donc 8 fois 9, 72, 7, 2, 9 fois 9, 81, et 9 fois 9 constitue la multiplication la plus grande à effectuer. Donc ici, comme c'est deux chiffres, on n'a besoin que deux cases pour représenter le résultat de la multiplication. 9 fois 5, 45. Ensuite, 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. Et 2 fois 5, 10. Donc ici, on va mettre en bleu le résultat final. Donc 6, première case, 6. 8 plus 1, 9 plus 2, 11. Donc on met un 1. Et 1 ici. Donc 1 plus 7, 8, plus 1, 9, plus 1, 10, 0, 1. 1 plus 8, 9, plus 5, 14, plus 1, 15, 1. Et donc ici, 5. Donc 598 fois 92, et bien c'est égal à 55 016. Alors, troisième technique d'opération, donc multiplication Mikado ou multiplication chinoise. Alors, on va prendre un exemple, 21 fois 13 par exemple. Alors, sur une feuille de papier, on trace, donc on va tracer des traits. Donc, ici, on a 21, donc ici, de bas vers le haut, de gauche à droite. On va tracer deux traits qui se rejoignent, parallèles. Et un trait un peu plus loin. Ensuite, du haut vers le bas, ici, on va faire 1, et là, 3. Donc, on va compter les intersections. Alors, ici, ça va être les chiffres des unités. Ici, ça va être les chiffres des dizaines, et ici, ça va être le chiffre des centaines. Donc, nombre d'intersections, ici, il y en a 1,
2, 3, 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Donc ici, on va compter 7. Il y a 1, 2. Donc ici, il n'y en a que 2. Donc le résultat, c'est 273. Donc 273. On peut vérifier à la calculatrice, comme d'habitude. 273. Alors, ensuite, un peu plus complexe. 32 fois 41. Alors, 32 fois 41, donc ici, même méthode. On va tracer, donc ici, 3 droites par vers le bas, vers le haut. Donc, du bas en haut. Là, donc ici, 2. Et là, 41, donc 4 et 1. Alors, ici, on va continuer. Donc là, c'est les unités, les dizaines et les centaines. Donc ici, il y a deux intersections, ici, une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on avait 3 en haut, 3 en bas, 3 en haut et 8 en bas. Donc ici on a 11, donc on va retenir 1 et on va mettre une retenue. On va mettre une retenue. Donc l'intersection ici, on va en avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1, 13. Donc ici, donc 13. C'était 12 plus 1. Donc 12 plus 1, 13. Et donc le résultat final, c'est 1312. 1301 et 2. 312. Alors, quatrième technique de calcul, multiplication par 11. Et avant cela, j'ai besoin de vous préciser une notion mathématique. Donc ici, ça va être les combinaisons de k éléments à n au total. Donc ça, c'est comme si c'était prendre, donc si on avait n éléments, donc x1, x2, xn, c'est donc prendre k éléments dans cette liste de n éléments. Alors, nk, donc ça va être égal à n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Alors, le triangle de Pascal nous donne donc la liste des nk, donc c'est par exemple là, donc 1, ça va être 1, 1, donc ici on va avoir 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, etc. Donc 1, 3, 3, 1, 1, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1, 1, 5, 10, jusqu'à 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 10 et 1. Donc voilà, ça c'est le début du triangle de Pascal. Bien entendu, ça continue. Eh bien, en fait, si on prend ce triangle de Pascal en base 10, on obtient les puissances successives de 11. Alors, comment cela? Donc ici, on avait 1, 1. Donc 1, 1, 1. Donc en fait, ce qu'on fait pour passer de la ligne suivante, c'est que là, on va dédoubler le 1 et on fait l'addition entre les deux chiffres. Donc 1, 1, 2 et 1. Là, il y a 0, donc 1.
Alors bien entendu, pourquoi on dit double 1? Parce que ici c'est 0,0, 1 plus 0, 0. Donc ici, on refait la même chose, donc 1, 3, 3 et 1. 1, 4, 3 plus 1, 4, 6, 4 et 1. Alors ici, on va avoir des retenues. Donc 1, 5, 6 plus 4, 10, donc 0. On rajoute 1 ici, donc 4 plus 1, 5 plus 6, 11. On a une retenue. 1 plus 1, 2 plus 4, 6 et 1. 1, 6, 5, 1, 7, 7, 1, etc., etc. Et bien entendu, si vous vérifiez, vous pouvez faire ici, donc c'est 11 puissance 0, 11 puissance 1, 11 puissance 2, 11 puissance 3, 11 puissance 4, 11 puissance 5 et 11 puissance 6. Donc 11 puissance 5, ça fait 161 051. Et fois 11, encore une fois, 1 771 561. Et donc cette méthode vous permet donc de faire n'importe quelle multiplication par 11. C'est-à-dire, par exemple, 731 fois 11. 731 fois 11. Vous abaissez, donc vous mettez le 1 ici, 3 plus 1, 4, 7 plus 3, 10, donc vous mettez un 0, vous mettez une minus, 7 plus 1, 8, 8041, 1041, et vous pouvez vérifier à la calculatrice que 731 fois 11, ça fait bien 8041. Un autre exemple, 5219, 219 fois 11. On écrit 5, 2, 1, 9. Donc le 9, on le descend. 9 et 1, 10, donc 0 et 1. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 5 plus 2, 7. 57 409. Et vous pouvez vérifier que 5219 fois 11 égale à 57 409. Alors, cinquième et dernière technique de calcul, ici ça va être plutôt un exercice que je vous propose. Donc on va trouver le plus petit nombre dont le reste dans la division euclidienne par 2, 3 et 5 est respectivement égal à, donc ici on va mettre 1, 2 et 1, donc 1, 1, 2. Alors je vous laisse quelques instants si vous voulez faire ce petit exercice. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et moi je vous donne la réponse tout de suite. Alors, on va commencer par 0. Alors, quel est le plus petit nombre dont le reste par la division euclidienne de par 5 est 2? Eh bien, bah, c'est 2. Donc 2. Alors, ici, pour avoir un nombre qui est en même temps ayant un reste de 2 par la division euclidienne de 5 et un reste de 1 par la division euclidienne par 3, bien on va énumérer 3 nombres, donc ici 3 nombres, dont le reste par la division euclidienne par 5 est 2. Donc par exemple 2, 2 plus 5, 7, ben ça, en divisant par 5, on va trouver un reste de 2. Plus 5, 12. Et on peut faire la division euclidienne par 3 de chacun de ces nombres, la div de 3. Et bien le reste va être 2, ici 1, 0. Donc on va prendre 7. On va prendre 7. Donc un nombre qui est en même temps ayant un reste de 2 par la division euclidienne de 5 et un reste de 1 par la division euclidienne par 3, le plus petit, ben, c'est 7. Alors maintenant, on veut le plus petit, mais avec un reste de 1 par la division euclidienne de 2. Eh bien, 7 peut convenir. 7 peut convenir parce que ici, si on divise par 2, ça va faire 3,5. Le reste, ben, ça va être 1. Donc, le plus petit nombre ayant pour reste 1, 1, 2 par la division euclidienne successive de 2, 3 et 5, et bien c'est 7. Donc réponse 7.
Alors maintenant, un peu plus compliqué. Alors, par 2, 5, 6. Alors, 2, 1. Alors, trouver le plus petit nombre dont le reste par division euclidienne est 1, 1, 2 par division euclidienne successive de 2, 5 et 6. Donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez chercher. Eh bien, en fait, il n'existe pas de nombre tel que il y ait un reste de 1, 1, 2 par la division euclidienne successive de 2, 5 et 6. Alors pourquoi cela? Parce que 6, 6 est égal à 3 fois 2. Et ici, ça veut dire que le reste par la division euclidienne par 3 est 2. Et par la division euclidienne par 2 est 2. Mais ici, on a un reste de 1. Donc finalement. Alors bien entendu, un reste de 2 par la division euclidienne de 2, bah c'est 0. Donc ici, il n'existe pas de nombre tel que le reste successif par la division euclidienne. Donc c'est 1, 1, 2 par la division euclidienne de 2, 5 et 6. Donc ça n'existe pas. Alors maintenant, par exemple, on avait dit donc 2 reste 0, 3 reste 1 et 5 reste 2. Alors, c'est le même que précédemment, mais ici on a division euclidienne, le reste de la division euclidienne par 2 est de 0. Donc ici, on commence par 0. Donc ici, le plus petit nombre ayant pour reste 2 par la division euclidienne par 5 est 2. Donc ici, 2, 7, 12. 2 plus 5, 7 plus 5, 12. Donc les restes par la division euclidienne par 3, c'est 2, 1, 0. Donc on va prendre 7. Et ici, bah on fait la même chose. La division euclidienne de 2 par donc 7. Et ensuite, on fait plus 3 fois 5, 15. Donc 7 plus 15, 22. Donc 7 plus 15, 22. Donc 22 est notre nombre qu'on cherche. Parce que ici, on a un reste de 1, ici, on reste de 0. 22 est donc le nombre cherché. Donc le plus petit nombre, tel que le reste 0, 1, 2 par les divisions euclidiennes successives de 2, 3 et 5. Et maintenant, pour avoir tous les nombres qu'il y a pour reste successif 0, 1, 2 par la division euclidienne 2, 3 et 5, et 2, 22 plus 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Donc 60K. Donc 60K plus 22. Alors 60K plus 22, on peut vérifier ici 60, donc K égale à 1. 60 plus 22, 82. 82. Alors divisé par 2, il a pour reste 0. Divisé par 3, donc 8 plus 2, 10. Donc 9 plus 1, donc reste 1. Et par 5, le reste est de 2. Alors, dernier exercice avant de nous quitter. Donc on va trouver donc tous les nombres tels que la division euclidienne successive, donc ça va être 3, ça va être 5, 6, 7, 5, 6 et 7, 4, 3 et 2. Alors ici le 6 elle se décompose en 3 fois 2. Donc ici, en fait, ça va être la même chose que de trouver tous les nombres de 3, 5 et 7. Alors 2, 3, 5 et 7. Donc ici, le reste en 2. Donc 3 divisé par 2, ça va faire 1. Ici, 3 divisé par 3, le reste va être 0. 4 et 2. On vérifie donc 2, 3, 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc en fait, pour avoir ici, on peut voir que c'est premier entre eux, 2, 3 et 5, 2, 5 et 6. Là, ils ne sont pas premiers entre eux, pas premiers entre eux, parce que 2 et 6, 6 égale à 2 fois 3, on a bien 2 et 2, donc le PGCD de 2 et 2, 6 et de 2. Donc ici, ils sont premiers entre eux, donc on va pouvoir utiliser la méthode. Donc ici, on commence par 0,
2. Alors, ici, on va lister 5 nombres. Donc, 2. Donc, 2 plus 7, 9. Plus 7, 9 plus 7, 16. Plus 7, 23. Plus 7, 30. Donc, le reste par la division quotidienne par 5, ça va être 2, 4, 1, 3, 0. On veut division, le reste 4. Donc, ici, 9. Ensuite, par 3, 9, reste le nombre. Donc, 9, quand on divise par 3, ben, ça fait 0. Le reste va être 0. Ici, quand on divise par 2, 9, on a un reste de 1, donc 9, ça reste toujours le même. Donc ici, le plus petit, ça va être 9. Et tous les nombres qui a pour reste 1, 0, 4, 2 par division euclidienne successive 2, 3, 5, 7, eh bien en fait, on fait 5 fois 7, 35, fois 2, 70, fois 3, 210, 210K plus 9. Donc tous les nombres qui a pour reste 1, 0, 4, 2 par division euclidienne successive 2, 3, 5 et 7 et 9 plus 210 fois K. Dernière précision pour avant de terminer cette vidéo, ce résultat, cette technique repose sur le théorème chinois qui est donc la pierre angulaire des résolutions de systèmes de congruence que l'on voit en leçon d'arithmétique. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBB. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.